Dans votre fauteuil, éloignez les âmes sensibles du téléviseur. Voici le top 10 des 10 meilleurs contres de tous les temps. Dixième, en 91, soudain Clyde Drexler ne peut rien face au retour de la muraille Sean Kemp. That's just a great, outstanding athletic defensive play by the Rain Man Sean Kemp. En 9, un double contre de l'amiral David Robinson face aux Hornets, daté de 1993. 8e, la vitesse et le timing de Hakeem Olajuwon face à Kevin Johnson, c'était en 94. En 7, voici pourquoi Sir Charles Barkley était surnommé en 95 le bébé TGV. And Drexler will come down. Yeah, look at that block. That's the play of the playoffs, Al. 6e, le meilleur rookie de la saison dernière, le digne héritier de Robinson et de la Juan, Tim Duncan. They got him again. Hot Rod got blocked three times in a row. En 5, depuis cette soirée de 88, Michael Jordan hante toutes les nuits de Patrick Ewing. Quatrième, une deuxième fois, sans aucun doute, l'un des meilleurs contreurs de l'histoire, Hakeem The Dream Olajuwon, toujours en 94. Hey! Oh, have mercy! En 3, un autre contre d'anthologie daté de 94, toujours, signé LaPhonso Ellis, l'ailier de Denver. Oh, are you kidding me? LaPhonso Ellis took it right away from him. That's just a tremendous block. Look at that, he just took it from him. Deuxième, le retour du bébé TGV sur Charles Barkley en 1987 face à Cleveland. How about that? And that? Need I say more? Look where he is! Look where he is! He's under the basket! Mais le meilleur contre de tous les temps, daté de 92, nous vient des 2m30 de Manute Ball, tout simplement impensable. There's one, clean block. There's two. There's three. Will they ever learn, Matt Kuchar is saying.